multiples, devinez quelle est la nouvelle invention extraordinaire du jour, sortie tout droit de mon génial cerveau. Dois-je considérer que c'est votre réponse? Vous répétez, disciple, c'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? C'est pas la bonne réponse. Bonjour, Mathurine. Bonjour, Basile. Déjà debout et déjà sorti? En quelque sorte. Ça ne doit pas t'empêcher de prendre les patins, je suis en train de cirer. Les patins? Oui, ces petits morceaux de tissu par terre, là, ce sont des patins. Ah bon? Il faut quand même marcher, ça n'avancera pas tout seul. Disciple! Voyez-vous, cher disciple, ce qui distingue le vrai génie, c'est son sens de l'altruisme. Toujours prêt à rendre service aux autres. Un peu plus à gauche, merci. Si vous le dites. Un peu plus à droite, maintenant. Enfin, arrêtez de jouer à mettre vos doigts sous mon marteau. Notre brave voisin s'est plaint à moi de son mal de dos. Oui? Et en quoi ce que vous inventez là a un rapport avec le dos du voisin? J'y arrive, petit saut. Il ne peut tondre sa pelouse sans avoir les reins en compote, voyez-vous. Et un génie de ma trempe ne peut laisser un voisin dans le malheur. Oui, mais c'est pas une invention, ça. Même rallonger les ciseaux, ça existe déjà. Peut-être, mais il faut quand même les tester. Oui, mais ça existe déjà. Le jour où vous ferez vous-même une découverte, disciple, on en reparlera. Patin. Je donnerai l'herbe à manger à mes lapins. Vous avez entendu, disciple, ne traînez pas. Disciple, j'ai promis aux voisins, alors tendez. Patin! Bravo! Arrêtez, suivez-moi! Non, maître. Il faut absolument que je termine ça. J'ordonne de cesser immédiatement votre travail. Vous avez l'air bizarre. J'aime pas quand vous êtes comme ça, maître. Vous n'êtes pas naturel. Comme ça, c'est mieux. Patin! Une promesse est une promesse. J'ai donc dû faire appel une fois de plus à mon génie pour compenser votre lenteur. J'ai inventé la tondeuse. La grande innovation de cette tondeuse, c'est cette hélice au bord tranchant placée sous le siège et qui, en tournant, va sectionner les brins d'herbe comme... Ça ne vous intéresse pas? Quoi? Ce que j'en pense? Laissez-moi deviner. Cette invention va m'exploser en pleine figure après m'avoir labouré le dos et... Disciple, j'apprécie votre enthousiasme, mais je ne vous demande pas votre avis. N'oubliez pas que vous êtes là pour servir la science. Et c'est ma joie. Voilà, passons à la fabrication. Découpez des tôles suivant les plans. C'est fait! Soudure au chalumeau. Suivant les plans. Bien évidemment. Oui, je sais, c'est fait. Je constate avec plaisir, disciple, que vous n'avez pas perdu la main. Et voilà le travail. Alors, cher voisin. Allez-y, disciple. Et je ne veux voir aucun brin d'herbe qui dépasse. Vous inquiétez pas, monsieur, on va tout bien dégager. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Je vole! Mais faites-leur descendre! Je vole! Je vole! Non, enfin, revenez! Revenez! Non, ne revenez pas! Surtout ne revenez pas! Au secours! Attention, poussez-vous! Arrêtez de me suivre d'ici! Attention, poussez-vous! Ça plane!
racine carrée de 16 divisé par la racine carrée de 524 divisé même par le sinus du quotient de l'abscisse d'origine d'après le théorème d'Eucalyptus sur les algorithmes renforcés du 15e Mais si je peux me permettre, je crois avoir trouvé. Vous avez monté l'hélice à l'envers et ainsi la tondeuse s'envole au lieu... Eureka ! J'ai trouvé ! Il faut inverser le sens de l'hélice. C'est ce que j'avais dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Ça marche. Oui. Et tu vas avancer, non mais tu vas avancer. Ça sent ma vie. Disciples, ne faites pas l'âne. Qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cher ami, surtout ne vous inquiétez pas. Oh, je ne m'inquiète pas, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. J'arrive. Maître, ça y est, j'ai fait une découverte. Vous pensez qu'il y en a pour longtemps de ce truc noir qui sent mauvais? Je le crains, il a trouvé du pétrole. Je suis le roi du pétrole. Hé, me laissez pas là-haut. Maître. Il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Il y a personne? Oh, et en plus j'ai faim. Le savais-tu? Une tondeuse à gazon est une machine qui sert à couper l'herbe des gazons et pelouses de manière à obtenir un beau tapis régulier. La tondeuse à gazon a été inventée par Edwin Bird Budding en 1830, qui a d'ailleurs aussi inventé la clé à molette. Jusqu'alors, on coupait l'herbe à la main, à la faux ou avec l'aide des moutons. La tondeuse était destinée d'abord aux parcs et jardins. Mais après l'invention de sports tels le cricket, le football, le rugby ou encore le golf, qui se jouent sur des surfaces en herbe, il a fallu tondre du gazon. Maintenant, les tondeuses sont mécaniques ou motorisées, parfois même automatiques. Ah, ça c'est bien ça! Dans les tours,